In Svizzera c'è un grande sviluppo del gas metano, ovvero il gas naturale come viene chiamato in francese. Noi siamo con il signor Olivier Mathil, che è un ingegnere, un responsabile dell'ASIG, l'Associazione Svizzera dell'Industria del Gas. Je te présente, je dis que c'est un grand développeur en Suisse du gaz naturel. Et nous sommes très curieux de savoir pour Electric Motor News les nouvelles choses, parce que nous on parlait l'année dernière, mais ce sont beaucoup de choses pour dire de cette année. Oui, tout à fait. Alors nous nous trouvons maintenant sur le stand de gaz mobile de l'industrie gazière suisse, ici au salon de l'auto. Les choses vont bien, la preuve c'est que nous sommes ici et nous avons exposé sur ce stand les dernières nouveautés qu'on peut citer. Avec la Volkswagen par exemple Passat, ou la nouvelle Opel Zafira, ou encore la nouvelle Mercedes Classe B. Et comme d'habitude, eh bien, nous avons un prototype de chez Volvo, qui est un véhicule multifuel qui peut fonctionner au bioéthanol, au gaz naturel ou encore à l'essence. Mais c'est encore quelqu'un développé en Suisse de l'industrie de le gaz de pétrole liquéfié, le GPL, ou c'est seulement le développé de gaz naturel? Alors, à l'association, nous travaillons uniquement pour le gaz naturel, mais il est clair que le GPL essaye de faire une petite percée, mais ça reste vraiment extrêmement marginal. Une des raisons pour laquelle c'est marginal, c'est qu'il y a très peu de stations de remplissage, d'une part, et dans beaucoup de garages et même de tunnels, le parking est interdit pour les véhicules GPL. Et ça, c'est un grand problème pour cette affaire-là. Mais enfin, ça fait un peu notre affaire du fait que nous faisons la promotion du méthane. Avec l'actuelle situation économique, ce n'est pas facile. Nous sommes nous vieux ici aussi. Et ce sont beaucoup de problèmes avec l'économie de beaucoup de grands constructeurs. L'industrie du gaz naturel, comment vivre sa situation? Alors je dirais, l'industrie du gaz naturel de manière générale, elle passe très bien au travers de cette crise, du fait que les gens sont toujours plus sensibilisés à une énergie qui est respectueuse de l'environnement, qui amène des avantages considérables. Et on peut dire que, par exemple, le pétrole, qui était notre grand concurrent il y a encore 4 ou 5 ans, c'est plus vraiment notre concurrent. Concurrent, ça vient plutôt d'autres énergies alternatives. Et en ce qui concerne les véhicules à gaz en particulier, on peut en parler du fait que nous sommes sur ce stand, eh bien, du fait que ce gaz est détaxé, nous avons beaucoup moins d'impôts, on a un argument de poids et également pour le porte-monnaie et en plus pour l'environnement.